Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. À l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien de 16 véhicules à la police nationale d'Haïti. Ce geste, tant apprécié par le commandement, exprime la volonté indéfectible des autorités haïtiennes à accompagner la police nationale dans sa mission constitutionnelle de garantir l'ordre public. Dans sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité intérieure de l'État par la protection des vies et des biens de la population haïtienne et de toute autre personne se trouvant sur le territoire national. Depuis un certain temps, cette responsabilité essentielle s'affronte à des difficultés majeures liées à un manque d'équipement et de matériel adéquat, devant aider nos vaillants policiers qui se livrent jour et nuit à une lutte acharnée pour amener la paix et la sécurité dans notre société, à être beaucoup plus efficaces, plus performants dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leurs efforts, de leur renouveler ma confiance et les encourager à rester dans la voie de l'engagement, du devoir, de l'esprit de sacrifice et de service. C'est par cette attitude que nous arriverons à faire un usage efficient et efficace des moyens mis à la disposition de la PNH et à démontrer au gouvernement et à la population tout entière que nous saisissons le sens de ces efforts. En effet, l'arrivée de ces véhicules inaugure la mise en branle d'une série d'actions du gouvernement visant à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti pour mieux faire face aux défis actuels de sécurité qui sont de nature multidimensionnelle et qui requièrent la participation de tous les acteurs de la vie nationale. La gouvernance moderne de la sécurité exige une approche intégrée, priorisant une coproduction de la sécurité. Ceci étant dit, j'attends en ma qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti à ce qu'un usage responsable de ces véhicules soit fait de quel que soit le lieu d'affectation où ils seront affectés, dans la zone métropolitaine ou dans les villes de province. Je ne saurais terminer. Et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi, ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement. Et l'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Je veux aujourd'hui demander à vous tous ici présents d'applaudir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs. J'ai tenu à venir en personne participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant
à la Direction générale de la Police nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre l'insécurité et les gangs. C'est avec nos meilleures ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre cet effort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci que nous demandons, que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces paramilitaires, que même si je peux comprendre leur colère, le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État. Je comprends l'impatience des uns et des autres. Moi aussi, je suis impatient de voir le problème de l'insécurité résolu. C'est un passage obligé pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir. Nous miser en route. Mais nous venons pour nous porter bonne nouvelle. Nous avons une pile de difficultés pour nous joindre moyens avec plus bonne formation et spéciale pour les policiers nous qu'à contrer les corps et bandits. Heureusement, nous joignons et la formation a commencé. Je demande aux peuples haïtiens de continuer à faire nous confiance. Malgré ça, nous avons dit, nous avons fait la police nous en confiance. Il y a des gens là-dedans qui sont déterminés, qui prennent un risque et qui paraît pour continuer à prendre un risque pour résoudre le problème. Dans la tête ensemble, nous avons signé qu'à jour ça. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici sur le site de l'OECC pour participer à la cérémonie de signature d'une convention de partenariat dans le cadre d'un don de $500,000 américains pour appuyer la Direction générale de la protection civile et être témoin ensemble avec vous des résultats de la fructueuse coopération entre Haïti et Taïwan. Mes premiers mots vont à l'endroit de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, auprès de la République d'Haïti, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations et mes amitiés pour les efforts soutenus qu'il déploie en vue de consolider la coopération économique et les liens forts et durables qui unissent nos deux nations. Le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, m'a mandaté pour participer à cette cérémonie en son nom. À cette occasion, je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, exprimer ma reconnaissance à la République de Chine-Taïwan
pour son support constant au peuple haïtien. Durant les 65 années écoulées, l'amitié et la coopération entre nos deux pays n'ont cessé de se renforcer. Grâce au concours et soutien agissant de la République de Chine-Taïwan, nous avons pu lancer des projets dans plusieurs domaines, tels que l'électricité, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'agriculture et j'en passe. Il faut noter que la République de Chine-Taïwan accompagne également Haïti dans le développement des compétences en fournissant des bourses et des stages de formation à nos compatriotes haïtiens. C'est le moment pour moi aussi de souligner que la République de Chine-Taïwan est un partenaire commercial important pour Haïti. Plusieurs entreprises taïwanaises se sont installées en Haïti, surtout dans le secteur textile, et contribuent à la création des milliers d'emplois. Nous notons aussi l'accord de prêt signé récemment avec Taïwan à travers la Exim Bank et l'implication de plusieurs firmes taïwanaises dans la construction d'infrastructures, notamment l'OSCC. Suite au tremblement de terre du 14 août 2021, le gouvernement taïwanais est intervenu pour octroyer une aide rapide et urgente de $500,000 américains pour soutenir les opérations d'urgence du gouvernement dans les zones affectées. Aujourd'hui, la remise d'équipes médicaux et sanitaires à la direction de la protection civile s'inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement taïwanais à soutenir le peuple haïtien face aux conséquences non seulement du tremblement de terre du 14 août, mais aussi à celle de la pandémie de COVID-19. C'est dans ce cadre que nous procédons aujourd'hui à la signature de cette convention dont l'objectif vise à renforcer les capacités d'intervention de la Direction générale de la protection civile à travers le pays et plus particulièrement dans les réponses à apporter dans la région du Grand Sud et je cite les départements des NIP du Sud et de la Grand'Anse. Ainsi, étant que pays ami d'Haïti, la République de Chine-Taïwan manifeste toujours sa solidarité avec notre pays afin de nous aider à surmonter les innombrables défis de développement. Notre objectif commun consiste à promouvoir les relations et les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Sur ce plan, le gouvernement s'active à attirer davantage d'investissements directs étrangers de la République de la Chine, de la République de Chine-Taïwan en Haïti. Avant de clore mes propos, je voudrais, au nom du Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de celui du gouvernement et du peuple haïtien, vous remercier encore une fois, Monsieur l'Ambassadeur, ainsi que vos collaborateurs, pour tous ces appuis qui placent votre pays parmi les premiers partenaires d'Haïti. Je termine en disant, vive la coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti. En ce 14 avril 2022, qui marque le 8e mois du tremblement de terre du 14 août 2021, de sinistre mémoire, je me réjouis d'être parmi vous à l'occasion de cette remise de dons dans le cadre du renforcement de l'appui du gouvernement de la République de Chine-Taïwan au gouvernement de la République Haïti pour la mise en œuvre par la Direction générale de la protection civile du projet dénommé Réponse au tremblement de terre du 14 août 2021. En effet, mon gouvernement est le premier pays ami à annoncer ce don dès le lendemain de ce séisme dévastateur. Après la concertation interne, le gouvernement haïtien a désigné la Direction générale de la protection civile de mise en œuvre
sur ce projet en janvier courant. Aujourd'hui, je suis ravi de me joindre aux mains du peuple haïtien pour annoncer le démarrage de ce programme. À travers ce don d'un montant de 500 000 dollars américains et d'un lot de kits médicaux et sanitaires de premier secours d'une valeur de 100 000 dollars américains, le gouvernement de la République de Chine de Taïwan réaffirme une fois de plus son soutien aux interventions du gouvernement haïtien pour accompagner les populations des départements du sud de Nip, de la Grande-Anse, durement éprouvées par ce séisme dévastateur, nécessitant des réponses à la hauteur de leurs aspirations, de leurs attentes. Lorsque la communauté internationale est ravagée par la pandémie et troublée par la crise humanitaire en Europe, Taïwan tient toujours les soucis d'Haïti au cœur. Dans ce contexte, il ne fait point de doute que la réputation de Taïwan reste aujourd'hui encore interpellée par l'ampleur de cette catastrophe en continuant d'appuyer les efforts du gouvernement haïtien dans le déploiement et le renforcement des moyens humains, financiers et matériels en vue de l'amélioration de la situation socio-économique des communautés vivant dans les zones affectées. Je voudrais, à cet égard, souligner l'élan spontané du gouvernement et de la société civile taïwanaise qui se sont retrouvés au premier rang dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays pour exprimer leur solidarité avec le gouvernement et le peuple haïtien sous forme d'appui financier, de matériel, d'équipements sanitaires et médicaux et de travaux de déblayage se chiffrant à hauteur de 13 millions de dollars américains. Il est certain que cette aide ne s'arrête pas ici. Au moment où je vous parle, une association taïwanaise vient d'arriver mardi dernier et un programme collaborant avec l'association américaine Action Against Hunger, destiné pour promouvoir la qualité de nutrition aux familles sinistrées, vient d'être mis en place dès ce mois-ci. Le gouvernement taïwanais se félicite de l'octroi de ce nouveau don au gouvernement haïtien qui symbolise, si l'on en a besoin, l'amitié taïwano-haïtienne. Je voudrais vous assurer qu'il offre une nouvelle opportunité pour la République de Chine Taïwan d'accompagner la République d'Haïti. On est donc convaincu qu'il contribuera à renforcer et à soutenir les capacités d'intervention de la Direction générale de la protection civile dans le cadre du pilotage et du projet dans les trois départements géographiques du pays touchés par le sinistre du 14 août 2021. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, dans ces moments difficiles qui traversent les différentes couches nécessiteuses de la population de ces départements, je souhaite vivement encourager le gouvernement haïtien à accélérer la mise en œuvre de ce projet pour leur permettre d'en tirer le meilleur profit. J'en prends donc occasion pour vous renouveler une fois de plus la volonté et le ferme engagement du gouvernement de la République de Chine de continuer à contribuer dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la coopération taïwano-haïtienne à la matérialisation des politiques publiques du gouvernement haïtien dans sa quête de promotion du développement économique, social, éducatif du peuple haïtien. Je voudrais pour terminer remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie de remise de don et souhaiter à l'aimable assistance mes voeux de joyeuses dates. Vive la République de Chine de Taïwan, vive la République d'Haïti, vive l'amitié et coopération
Tavanon, Haïtien. Le moment qui nous réunit à nouveau ce matin est l'occasion de dresser le bilan du séminaire de formation en Search and Rescue, rechercher et sauver des vies, auquel vous avez bien voulu participer. Je crois ne pas trahir le sentiment du plus grand nombre en affirmant que ces 10 journées d'initiation et de réflexion furent un réel succès. Je suis heureux que tous les participants inscrits, malgré leurs activités régulières, aient honoré une présence attentive et assidue, nos invités, qui ont animé avec brio ce séminaire. Je suis sûr que vous y avez accordé un grand intérêt. Je me réjouis de l'attention que vous avez portée aux différentes prestations par nos experts. Elles témoignent de la qualité de la formation et des débats qui vous ont été proposés. Je tiens à vous renouveler chaleureusement. Les formateurs, je tiens à remercier chaleureusement les formateurs, les intervenants et nos amis de l'ambassade américaine qui, bénévoles de leur temps, vous ont guidé tout au long de ce parcours et vous ont initié au système d'urgence de Search and Rescue, cette thématique aussi complexe qu'indispensable. En effet, le Sahara revêt une importance tant pour la navigation aérienne que pour la navigation maritime. Je salue également la qualité des prestations assurées gracieusement par les membres des opérations spéciales de la US Coast Guard qui ont grandement contribué à faire de ce séminaire un succès. Enfin, à vous, chers récipiendaires de cette formation, je présente mes plus vives félicitations et vous souhaite une bonne continuation. Les portes de l'OFNAC vous seront toujours ouvertes et mon administration continuera, comme elle l'a déjà démontré, à soutenir l'excellence. J'espère que tous et toutes aujourd'hui qui tenez la clé qui vous permettra demain peut-être de vous lancer avec un peu plus d'assurance dans l'aéronautique et relever les défis idoines. Mesdames, Messieurs, chers formateurs, chers amis, merci de votre implication dans la construction d'une œuvre qui nous dépasse tous, symbole d'une harmonie toujours renouvelée entre votre travail et le progrès de notre communauté.